Le film nous montre une réflexion sur l'acte d'écriture d'Alex et le lien qu'il y a entre la fiction du coup qui écrit dans la lettre et la réalité de ce qui s'est passé dans la réalité et comment il fait pour rester fidèle aux souvenirs et comment il arrive à faire revivre un peu le personnage qui est du coup mort à travers la fiction. Le récit prend corps comme le corps qu'on voit à l'écran. C'est également une réflexion sur la relation amoureuse que Alexis et David ont. Et ça montre une romance universelle qui fait revivre la nostalgie des années 80. Et on se pose la question de est-ce que le protagoniste qui réussira à sortir de sa première passion et on se pose la question de est-ce que l'écriture va-t-elle être un tremplin pour lui? On peut se demander aussi, comme le personnage a tout à la fin, est-ce que la seule chose qui compte c'est réussir à échapper à son histoire?